PM Ariel Henry récite mettre souris sous les peuples haïtiens à travers BGS Rivière fait là. Yo mettez un site disponible pour moun faire demande document identité, passeport à carte identification nationale. Ce pas même besoin à prendre calotte marasa à bourade dans ligne devant bureau immigration encore. Question qu'a posé, qui j'ai site ça fonctionner, qui j'ai relé, qui ça DG collatel l'a dit non causé ça. Qui j'en raquette yon recevoir nouvelle ça? Est-ce que son bon initiative? Rete là, talè comme ça, nous pradou qui se bagala yé. Yon l'autre bon affaire qu'on est, bureau immigration ak immigration, nan commune tabac, fermé porte yon à cause, agent police Idmo yon utilise bureau ça pour faire business yon. Yon prend kob nan mes moun pour faire yon entre à faire passeport bien rapide. Sa pi grave là, c'est même police Idmo sa yon qui blaye la tout blaye, bay gaz, bak moun. Et puis tirer blay la tout blay ça pour ka mettre pression sur moun yo pour ka faire yo entrer à le faire passeport ça pendant moun yo a checker avec policier yo. Mes amis, bagala grave, bagala empiré. Restez garder vidéo ça jusqu'à la fin pour ka pas rater une ça que m pral di là. N'a mande pour abonner à ma chaîne là, peser sur notification pour les nouvelles vidéos pour pas rater. Même gens qui pouvait col là dire raïchien dit dans le blanc. PM de facto qui c'est Ariel Henry fait que en pile moun content hier vendredi 31 mars dans hôtel Montana. La primati mette yo plateforme en ligne pour tout moun ka fait demande passeport yo à carte identité. Faut que nous bien, c'est pas yon poisson d'avril, c'est une vérité absolue. Nous tout connaît vérité qui gagne sur pays ça, nous même nous va nou faire buzz, nous va mentir. Pas ça c'est fausse li, c'est informé avec formé. C'est pour laquelle nous toujours jeune monde qui a fait bel commentaire, qui a encouragé nous et puis tout, nous avons toujours partagé vidéo pour l'autre monde qui a informé des nouvelles nous bayou. Depuis le PM Ariel Henry annonce nouvelle ça, femmes ou bien réseau enflammé. Grand pays monde qui a bat content, qui a bat bravo, yo content pour que pour ça Ariel Henry mette sous pied là que on t'attend depuis plusieurs temps parce que réseau femmes ou bien technologie avancée. Réseau, font tout, nous avons fait tout ça sur réseau. Parce que nous avons un peu d'accès avec des bougies. Ordinateur, si la technologie avance dans le 21e siècle, nous ne sommes pas supposés arrêter dans la question de faire papier encore. Quand nous avons là, c'est ça qui est le relais. Le relais Daily Doc. Je n'ai pas regardé sur l'écran là, mais affiché pour nous, c'est une plateforme de mode en ligne, document identité. Le là pour faciliter, prendre rendez-vous plus rapide. Même je ça fait dans l'autre grand pays yo. Ça veut dire là tout grand pays a fonctionné. Même j'ai un site ça dans pays d'Haïti tout Père Marie Henry annoncé un site comme ça tout pour qu'a tout bail toutes tout données toutes informations personnelles pour qu'a faciliter faire passer faire passeport avec carte d'identité. Mes amis, tout le monde content des nouvelles ça. Et moi même m'attend ni parce que pays d'Haïti trop fermé. Nous trop coincé, nous étions dans un petit coin. Malgré technologie avancée, nous pas jamais utiliser opportunité technologie ba nous. Faut que nous bien décision ça prend après international la critique contre yo pour j'ai yo ouais misère mon a passé devant bureau immigration pour qu'a faire passeport yo. Parce que nous connaît programme de mettre sous pied là tout le monde masqué devant bureau immigration nationale, il prend bourade, gien moun qui mouri pour se battre yo ba yo prend gaz et puis ça plus grave là tout, l'offin prend tout marasa bourade, il a pété sous dans foule là. Et puis tout, l'oreille s'y rive devant ordinateur ou chita pour qu'il y ait toutes les données personnelles ou yo blip, signal à couper. Si surtout, générateur ça éteint, pas de gaz. Ça, puis ben là, il va jamais rétablir pour qu'il y ait un passeport. Ou bien, document vient faire. Qu'on y a là, ou là pour démystifier, pour même événement ça. Pour même marasa yo, pour même bouradio, pour même casquette chinoise. Faut que nous bien. Il y a un peu de monde qui toujours dormi devant le bureau immigration. Ils ont levé bonnet. Ils fait plusieurs jours. Qui n'ont jamais arrivé faire passeport. À cause, le bureau n'a pas un signal. Et puis tout, des autres qui gagnent devant le bureau. Faut que nous bien. Quand il y a là, pas de bagage encore. Si tu as les Daily Doc là, pour entrer toutes les données, toutes les informations, il y a un mandat. Et puis, il y a un bon rendez-vous pour qu'on vienne faire photo ou bien signer pour qu'on remette tout document. Kounya, faut que m'dou, raquette yo qui devant bureau immigration yo pas content. Dit tout après nouvelle ça, Pierre Ariel Henry fin annoncer parce que nous connaît nek ça raquette yo c'est là yo fait comme yo
c'est là yo fait tout pile l'argent yo devant bureau dans faire document pour moun. Imagine yo passeport qui était $2,500 kounya la raquette yo fait passer avec $8,000 à $10,000 pour qu'a faire yon passeport pendant programme Biden nan ou tu connais c'est tout sa populaire c'est passeport faut gen passeport pour qu'a participer dans programme Biden nan kounya la ni raquette yo prend tout comme ça faut gen $10,000 pour qu'a faire un passeport on passeport qui était $2,500 kounya père Marien Henri couper situation ça fa gen cause ça encore après la ca ou prend téléphone ou bien ordinateur pour entrer sur Delivery là ou mettez toutes données yo et puis trois rendez-vous vinn faire photo vinn signer document kounya en pile moun a posé quelques questions y a demandé est-ce que site là son bagay sérieux est-ce qu'elle fiable à travers toutes questions ça yo t'a posé sur réseau a ancien DG konatel là avec expert ndega di gros technicien yo le fait qu'on est site Daydoc là pas sécurisé plateforme non pas sécurisé c'est ça pour laquelle yo dit fait attention pas entrer données personnelles sous lui parce que site ça n'importe monde qui a accès avec lui ancien DG konatel là qui c'est Jean-Marie Altema lui mandé pour gouvernement entrer site là lui lancer parce que lui pas sécurisé toutefois le fait qu'on est idée lui loyable mais site là pas inspirer confiance parce que n'importe monde qui a gain accès avec données personnelles de l'autre monde qui utiliser site Daydoc là kounya là bagala grave bagala empiré qui en plus monde sauter kounya déjà dit Père Marien Henri qui était gain idée pour te mettre site là sous pied à cause site là pas fiable li pas sécurisé kounya là expert faire connait pour Père Marien Henri entrer site là kounya moi pour moi-même pour moi ben là c'est une bonne idée qui est liée parce que mettons site sous pied le 21e siècle technologie avancée nous ca utiliser toute opportunité technologie ba nous pour nous faire tout ça que nous besoin à travers pays pour nous avancer plus rapide kounya si site là pas sécurisé expert qui là yo tant qu'un ancien DG qu'on a tel là cap dit pour PM là entrer site là li lancer pour aller pas rejoindre Père Marien Henri dans initiative ça pour ca aider nous sécuriser site là pour nous avoir une plus bonne plateforme qui sécurisée pour monde pas gagner accès avec données personnelles de l'autre monde au lieu li dit l'entrée nous connaissons grand pile expert qui bon dans informatique qui bon dans technologie qui peut marier dans fait appel avec monde ça pour aider nous gagner un plus bon site qui fiable pour assurer toute information personnelle monde yo a gagner pour bail sous site les Daydoc là femme ou bien idée bon son bon idée qui lié mais li manque sécurisé il va manquer sécurisé il va sécuriser dit tout plutôt nous sécuriser site là après ça n'a publié Père Marien Henri à cause tout critique li ouais international l'a fait des gens mon a passé misère devant bureau immigration li courir lancer un site là pour ca faciliter mon yo faire demande document yo en ligne et puis tout prendre rendez-vous avec yo plus facile pour pas joindre pile bourade pour avoir pile monde qui masqué devant bureau immigration mon yo tellement qu'on masqué devant bureau immigration même employé pas une côté pour entrer pour ca venir travailler des monde qui tout obligé dormir dans bureau de façon parce que quand il est matin il pas ca une côté pour passer bref j'ai entendu là c'est pas sécurisé un monde pas courir à l'entrée donner personnel ou sous lit parce que n'importe monde qui a gain accès avec toute information que ou bail là sur site là il ca pirater site là parce que site là pas sécurisé un bon site faut il sécuriser pour l'autre monde pas pirater parce que tant faut qu'on est dans la commune d'Aba, il y a dégénéré dans le bureau immigration avec émigration. Les policiers ont fait des ordres. Pour les femmes, même les policiers, ils bien entendu. Il y a fait des ordres devant le bureau parce qu'il y a pris l'argent de mes gens pour faire entrer à faire passeport. Les policiers ont tenu la raquette. Les policiers ont battu les gens. Ils ont tout devant le bureau immigration avec émigration. De façon pour faire pression sur les gens pour que les gens aient l'argent pour faire entrer. Les femmes, bien. C'est parce que dans la commune Taba, il y a des autres ça. Dans la commune Delma, il y a tout. Dans le Tijo, il y a tout. Parce que il y a un peu de policiers, au lieu de sécuriser la foule, pour que les gens prennent la ligne, pour que les gens entrent, mais plutôt, ils campent devant le bureau, ils prennent le bureau, ils prennent le bureau, ils prennent la main pour qu'ils passent. C'est les gens qui ne peuvent pas passer. Les gens qui checkent avec eux, qui passent à faire passeport. Mes amis, les policiers sont là pour protéger et servir, mais tout, ils sont là tout. Yo devé ba la ya fait deal yo même j'en nan de yo a tout nous connait police yo prend l'argent même moun yo le ba contravention nous connait ça parce que police yo même
l'état prend trop de temps pour battre chèque là. Mais pendant yo là devant bureau immigration, yo tout pour entrer dans deal là. Imagine yo passeport fait $10,000, $8,000. Qu'on a police yo même. Yo tout entrer dans bail ça parce que yo est comme la belle, yo est comme la fait facile et nous connaît programme de dans ces ligue populaire là et ligue de l'année. Tout monde là qui a fait passeport, tout monde besoin passeport yo pour participer dans programme Biden. Police a fait comme saison pour laquelle bureau immigration fait immigration qui nan mairie Taba, yo arrivé faire n'importe quoi à cause police Idmoyo a fait des ordres, a prend l'argent dans mes monde pour ka faire moun yo a faire passeport. Mes amis, cette façon de gagner pour jodi a pas c'est like nous abonner et puis peser sur notification pour les la grande vidéo pour pas rater. Malé, rendez-vous dans prochaine émission pour ka venir traiter un autre dossier. 22 les la police a ouais vite leur marché sous Taba sous quoi des bouquets et ça a fait était en disposition et était blindé avec plusieurs conteneurs pour les pas capable et pour plus espace, pour plus terrain, pour plus territoire et il a retiré tout dispositif ça yo, c'est pas police au café pour contre et ça a c'est sorti dans le commandement, c'est ça que nous dit oui et avec la police de la police. Pas inventé, c'est réalité. Non, c'est comprendre, je comprends. Imagine. M'a pas ajouté tout oui, Robinson. Et gagner dans zone métropolitaine là, comprend au niveau commissariat Pétionville, dans niveau responsable. Et comprend et commissariat et Delma 33. Et nous connaissons et grosse commune Delma, son grand commune et ni Pétionville et sous prend route frère et zone Vivi Michel sous commissariat et d'autres sous commissariat gagnent et en pile policier qui sous payroll et gang vite l'homme non et que la police là n'a plus au niveau yo connaît yo pas fait rien yo pas l'ouvrir aucune enquête. Oh, dis-moi là. Oui. Et yo sous payroll et vite l'homme et ça gagne plusieurs mois et m'ta tenté et dit ça dans magique et puis m'pas de deal clair pour plusieurs raisons pour pas et que plus peur la caïmonio mais réalité a nous elle donc on a nous obligé de dire et j'en nous obligé non mais les supérieurs là pour faire qui ça pour faire couverture pour par exemple les ont besoin à opérer ils vont aller kidnapper monde ils vont aller attaquer et puis et pour et la police pour policiers au bas au passage et ça va réagir. Et ça m'a oui, ta major la police a connu. Non, mais n'a qu'à ça, monsieur Espérance. Mm-hmm. C'est certain, c'est pas tout. Mais maintenant, Zach, ça a mis en danger. Non, je sais, on pas dit tout. Maintenant, ça a mis en danger l'intégrité des policiers corps et cap servi population. Ils mettent en péril une série d'opérations pour faire bandit au retenant au lieu. Et où dit information ça connu et pas de mesure qui prend, c'est ça, là, non? Pas de aucune possibilité et dans le pays, particulièrement dans la zone métropolitaine, pour gang yo a fait tout ça fait là et sans pas de complicité et autorité dans l'État et particulièrement et la police là ou état-major. Et la police là. C'est ça que nous dit, et tout le monde est capable de constater, et tout haïtien était où elle est, l'année passée, toute période, depuis la police a venu plus équipement, et gilets pare-balles, et plus matériel, et véhicules, etc. Eh bien, et t'es une présence et la police. T'es une présence policière dans la réalité qu'on t'es ouais, t'es visible, hein. Mais ils ont retiré tout. Et pendant octobre. Mais qui t'es pas machine, 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 machine
et là à côté. Magique 9, toute nouvelle sans stress sous 100.9. Magique 9, toute nouvelle sans stress sous 100.9. Actualité, enquête, analyse et augmenter côté gang rap et occuper plus espace. La solide. Continue à faire et puis ou pas avoir présence et policière et dans l'arrière. Pas de présence la police. Bon. Avant nous avancer, parce que nous allons parler du Canada et à nos 100 millions de dollars avant nous remercier. Mais sur l'antenne, nous là, dans ce moment-là, par rapport à ce que je dis là, que gang a fait ça avec un support gouvernement, et M. André Michel de SDP, et M. André Michel qui répond à la question, il dit que pas grand monde crédible qui a dit que le gouvernement a financé gang, il a insisté ça à plusieurs reprises, donc il a évoqué ou même de NDDH, il a répondu non, pas grand monde crédible qui a dit que le gouvernement, une association crédible qui a dit que le gouvernement et non financé et gang. Donc, on avait évoqué le NDDH et soit fait ça. Et sur ce débat de M. Michel. Pour mon commentaire? Eh bien, en 2017-2021, information NDDH Tabayou sur massacre fait dans le quartier défavorisé, sur instrumentalisation institution, sur banalisation de la vie monde. Et monde qui est était dans l'opposition à l'époque, tant que j'en sors cité là, André Michel. Et c'est, il était qu'on utilise en pile le rapport RNDDH. Depuis mon rapport RNDDH est sorti, c'est lui-même qui prend, là, il participe dans plusieurs émissions. Et laisse habiter d'ailleurs. Et donc, information RNDDH était crédible, ça nous a dit. Et je dis à l'Ian Deda, il n'est pas crédible. Et ma préprenne encore. Pouvoir continuer dans la connivence avec bandits, l'argent dans le trésor public là, continuer à joindre bandits, et la police là, dans la connivence avec bandits, et la population livrée à eux-mêmes. Insécurité que nous avons là, son insécurité d'État qui banalise, qui base sur, et qui chita sur banalisation et la vie monde, et si pas de complicité, nous pas demander pour la police à mener une opération à démanteler gang, non, parce que nous connaissons extrêmement difficile gang youpi équipé par la police, et c'est ça et pouvoir Jovenel l'a fait pendant de 2018 et pour arriver 2021, c'est affaiblir la police, renforcer gang, et c'est ça qui continue sous administration et docteur Ariel Anguia, et yo continue à alimenter gang yo qui fait gang yo puissant comme ça, qui fait et mon ap mouille comme ça, et qui fait tout police à pas présent. Donc, nous-mêmes, nous parlons de réalité. Aïe là, information nous était capable crédible, parce que yote deyo, et le Rwanda, yote pas crédible. Mais okay. réalité que nous gagnons, hein, et sous garde côté. Les huit, et songe réalité nous gagnons, n'a pas pour nous prenons. Pour deux dernières questions avant nous remercier sur votre disponibilité au monsieur Spinas.
sous 100.9 là, on va suivre Panel Magique, on a parlé avec directeur exécutif NDDH là, Pierre Espérance. On va son avant pour une pause là. Monsieur Espérance, t'as parlé de différents rapports que dans l'époque là qui était qu'on sortit et que l'opposition était qu'on utilisait. Et où tout gros question pour lui sous et envelopper 100 millions de dollars que Canada lui annoncé que le bras alloué avec la police nationale là. Ou même gros question sur et demande que le premier ministre t'ait fait pour te demander la MEA pour aider et la police là pour rétablir sécurité et nous besoin qu'on côté et demande ça passer mais d'abord bon qui toi avec les sous coopération Canada. Oui, justement monsieur Spencer, tu as parlé de réalité là qui internet a confirmé et ça tapé. Non. Réalité c'est pas tant dans ça confirmé non, réalité c'est ça non ouais. La police a pas présent et population livrée à eux-mêmes. Gang yo puissant, parce que autorité étatique yo et la police là et na connivence avec bandi. Tout pouvoir et c'est ça nous ouais na RNDDH et qui na violation la et droit moun, qui na banalisation la vie moun, qui na cap nager na impunité et eh ben yo toujours et parrainé RNDDH. Nous pas de problème avec ça et nous même n'a continuer accompagner population haïtienne. Plus gros revendication population haïtienne 1986 après niveau et dictateur aller, c'est et justice sociale. Et peuple haïtien beaucoup pas jamais une justice sociale ça, c'est impunité, c'est coup de bas et la prend dans dos et je ailleurs là monde qui te dit au bon côté population et jodi a il a fait même bagaille avec ça ou t'a reproché moun et qui était sous pouvoir rien et puis mal et sous question et coopération pour nous continuer alors pour américain yo américain yo continuer avec les formation yo bay équipement léger et tant que gilet pas balle et yo mais gèl deux unités dans la police là et yo pas bay ni équipement yo pas bay équipement pas faire formation pour yo c'est Idmo avec Boyd qui yo estimé que unité ça yo impliqué trop dans violation droit monde et américain yo pas aider dans sens ça mais américain yo tout genre nous connaît yo et équipement létal tant que équipement létal tant que et armes avec munitions et yo pas bail mais yo fait formation et pour et SWAT avec Simo et mais nous penser journée aujourd'hui toute coopération et qui pour faire pour la police là si pas gain et vetting là dans ni c'est laver mais si y a terre. Ça pas veut dire ça fait ou pas bon non, ça pas veut dire que police ça pas besoin non. Et mais police ça côté yo te prendre nous songe Jean police a été démobilisé en 2001-2004 et ben là UNPOL et qui en dans mission Nations Unies qui était là et à l'époque et ensemble avec autorité qui était là administration et René Préval là côté que yo te mettait campé un programme vetting et qui était commencé en 2007 et programme ça et campé en 2012 il était bail en pile et résultat pour Jean institution police là hier si yo pas et mettez campé un programme et vetting tout et l'autre bagaille yo et c'est pour et des bagailles cosmétiques parce que police là faut font vetting mais là je dis à faut nous tenir vetting ou bien faut en parallèle à vetting là gagner plus blindé plus armes plus munitions plus formation plus machines plus policiers formés pour renforcer présence et pour une capacité opérationnelle pour gouverner avec les bandes armées. Oui très bien en parallèle avec vetting là parce que vetting là c'est pas pour nous comme sur lancer là et puis pour tant vetting en parallèle avec vetting là et il y a fait toute le bagage qu'il a besoin parce que les pour lancer et vetting là et police a conforme et il y a conforme yo parce que on connaît qu'il y a enquête et cap mené et sous yo mais vetting ça et ça qui était là déjà et ça qui était fait il était composé et commission vetting là policier français policier canadien policier haïtien américain avec et africain et nous connaît et policier canadien yo avec français yo et yo gagne réputation comme policier qui bien
formé qui bien et entraîné et il y a un rôle et important qui est capable de jouer et dans vetting là et nous connaît tout assemblé hein et la France et voulait by prise bourade plus moyen avec et la police là et nous même c'est plaidoyer ça que nous fait nous dit et pendant il y a et by équipement et équipement léger j'ai dit là à, et avec question et formation faut parallèlement ils mettez campé et vetting mais commission vetting dans tout et li et toujours gain la toujours gain la dani et policier haïtien qui sorti dans inspection générale de la police ça avec la police bon Canada annonce dans $100 million la baille là que a bien un composant pour acquisition équipement leto et bon source qui dit nous que ANL gagne un lot de 40 machines pour le bail bientôt dit nous au cours du mois d'avril là et gagne on entente qui fait pour que livrer de blindé et léger en tout cas qui ca permettre de faire patrouille dans des zones chaudes c'est ça moi même et moi entendu de un source que moi qui a fait confiance maintenant et qui position est-ce que comme militant droit mon on fait appel pour que organiser des armes et munitions et qui regarde par rapport à l'annonce que Canada a fait de 200 millions et de dollars à bail après son mec de fait entre président Biden et premier ministre Trudeau et laisse ça n'a pas annoncé tout qu'il était dit non et par rapport à quoi de force multinationale que premier ministre a demandé le mois d'octobre 2022. Ah OK. Et ça et Haïti yo doit connaître les Américains, les Canadiens et l'autre pays yo dit il a débloqué cob pour aider la police. L'argent ça a pas venir joindre l'État haïtien, il pas venir joindre institution police. C'est institution dans pays ça même qui vini à programme yo et c'est à partir programme ça yo mettez campé yo fait ça yo gagne qui dans projet yo gagne yo aider et nous même nous pourri et la police a joine et plus et équipement et plus véhicules et pendant et yo lancer vetting si yo fait ça et sans vetting n'a pas commencer c'est laver mais s'il y a terre mais vetting là son bagage on dit ou du véhicule zam oui. De guerre pour correspondre à bandi ou quoi faut jeune nito si yo commencer et vetting là si yo fait sans vetting là zam ça yo et véhicule ça yo yo pral faire couverture j'ai yo fait dans quartier défavorisé yo les gang yo a essayer prendre plus territoire, yo pour faire couverture pour bandi qui soutenu par pouvoir, qui la police a travaillé avec eux, particulièrement Genève et jeudi a un gang vite l'homme là, yo pour faire couverture pour yo et les ça c'est population qui pour victime. Mais si qu'on y a pendant bail équipement ça yo, on pense au besoin yo et puis yo tout mettre campé vetting là. Et les policiers ouais ont vetting qui campait et même ou état major la police a qui là et yo même y a conformé au tout parce que yo même yo en bas vetting là tout et mais faut nous reconnaître tout pendant on a parlé des équipements et matériel que ces armes ou bien plus véhicules et la police a un problème management police a pas dirigé police a une absence de leadership et gen passé men qui doit être fait et dans sens ça et dans la police là mais n'a insisté encore et partenaire Haïti yo, et tant que Canada et ou bien partenaire la police là et Canada et États-Unis et la France et aider nous dans mettre campé et vetting pardonnez-moi, vous pensez ou pas, M. Elbe n'est pas à la hauteur de sa mission? Bon, ce n'est pas moi penser qu'il n'est pas à la hauteur, et c'est la réalité à qui nous sommes.